L'impression, hein. J'ai l'impression. Alors, tax bill. Je dois 143 dollars. Ça craint ou quoi? Ok, je peux la lire. Avis d'imposition. Tu nous dois un max de blé pour ta serre. Tu as jusqu'à hier pour nous payer. Si tu ne payes pas, le maire Oignon deviendra propriétaire de la serre. Montant dû 140... Ah non, je croyais 143 753 dollars plus 50% d'intérêt. Ah la vache, je croyais que c'était 143 dollars. Mais non, 143 000 dollars. Administration, cordialement. Ok, très bien. Bah, je vais la déchirer, tu vois. Allez, hop, on s'en bat les couilles. Le maire Oignon. Bah alors, petit navet, te voilà bien embêté. Tu n'as pas compris, tu viens de commettre une fraude fiscale. Et non, c'est pas du tout ce qui se passe à la campagne. Bref, tu me dois beaucoup d'argent. Et puisque tu n'en as pas, tu vas devenir mon assistant. Pour commencer, prends le chemin cheminant pour atteindre l'étable étonnante. Je veux y installer ma mairie. Mais l'endroit est envahi par les animaux. Ramène-moi un sac d'engrais pour me prouver que tu as accompli ta tâche ou tu vas pourrir plus vite que prévu. On est au bourg, pote au feu. La maison du vieux Zest, où on peut trouver un arrosoir très pratique. Bah alors, petit navet. Ah mais il me dit la même chose. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé un arrosoir. Yeah, le vieux Zest l'utilisait pour faire pousser les plantes. Ok, salut toi. Salut la jeunesse, tu n'as pas vu mon arrosoir? Ma vue n'est plus ce qu'elle était, ça fait des jours que je l'ai perdu. Cet arrosoir est très précieux pour moi. J'espère que personne ne me l'a volé. C'est la seule chose qui me reste de ma chère épouse. Alors, au nord, on a le bois de la baston. Mais non, je vais adorer ce jeu. Bois de la baston. À l'ouest, nous allons le chemin cheminant et au sud, la colline en cailloux. Bonjour, il fait beau, non? Le temps est aussi radieux que la petite fraise en bas de la rue. Oh, elle est chou. Au fait, tu peux arroser cette plante pour moi? Je n'ai plus d'eau et j'aimerais offrir une fleur à la petite fraise. Il faut que je récupère de l'eau, du coup, parce que j'ai un arrosoir, mais il est vide. Et il est vide. Attends. Eh, si, il y avait de l'eau dedans. Ok, j'ai récupéré la fleur et je m'en bats les couilles. Le cadeau de la fleuriste pour une fraise. Je vais lui vendre, tu vois. Merci d'avoir aidé avec cette fleur. Va l'offrir à la fraise qui me plaît tant. Je ne voudrais pas que quelqu'un se fasse des idées sur moi. Attends, c'est des légumes qui jardinent? Tout à fait. Et des légumes qui mangent des légumes. On est sur un... Quelque part, on est sur un village cannibale. Hein. Tu as raison. Coucou. Je suis une myrtille. Tu es un navet. Au revoir. Au revoir. Salut les gars. Pardon, jeune Rutabaga. Ne traîne pas dans le coin. C'est une opération des CRS, on doit sécuriser la zone. Et fais pas le malin, on te surveille. Je vais bien aimer la voix que je fais à, cette, à ce petit navet. Un petit navet, merci pour la fleur, mais... Je te considère comme un ami, désolé. Oh, ça ne vient pas de toi. Oh, béni soient les champis. Le fleuriste voulait m'offrir cette fleur. Tu peux lui donner cette lettre de ma part? Cher fleuriste, merci pour la jolie fleur. Est-ce que tu voudrais sortir avec moi? Un jour, on pourra se marier et payer nos impôts ensemble. Bisous, fraise. Je peux la déchirer? Mais non. Mais j'ai pas d'autre choix. Allez hop! C'était pas très gentil. Tu lui as donné? Merci, voilà pour toi. Ouais, un chapeau de paille, l'ennemi numéro 1 du soleil. Mais oui. Eh, tu peux voir tes chapeaux dans le menu pause. Excellent. Oui, j'adore ce jeu. C'est officiel. Kikou.
Tu as vu mes petites pommes chapies? Oh, elles sont trop mignonnes. Ma petite pomme rouge s'est enfuie. Si tu pouvais me la ramener, ce serait bien unifique, hein. Maxi-miaou. Maxi-miaou. Mini-miaou. Ok, donc toi, t'as perdu une quoi? T'as perdu une... T'as perdu une pomme chapie? T'as une pomme rouge. Ok, c'est toi? Non, toi, t'es une betterave, mec. Depuis que cette araignée mère oignon a pris le pouvoir, c'est le bazar. Hein. Je veux dire, regarde-moi l'état de ce chemin. Il faudrait une épée pour tailler un chemin. Mais il paraît qu'on peut en trouver dans les bois de la baston, quoi. T'es quoi, toi? T'es une vieille patate qui se fait chier dessus. Oh, putain, la patate en fin de vie. Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Écoute, moi, je vais piller les pourris qui sont au cimetière. Je dois me concentrer. Et tu m'as l'air du genre pénible, toi. Dégage, gamin. Ok, bon, on va essayer de trouver un... On va faire la quête du jeu, mais déjà, ça commence de façon très drôle, tu vois. Attention aux escargots, ils sont végétariens. Ok, c'est drôle. Et moi, je suis un petit navet, donc ils vont vouloir me bouffer, tu vois. Mec, tu vas jamais me croire. Jerry squatte chez moi depuis une semaine et il m'a pas donné un centime pour loyer. Wesh! On est potes, tu vois. Mais je parle pas de l'escargot. J'ai le seum, mec. C'est lui, là? Mais j'ai pas d'épée encore. Merde, ils disent exactement la même chose. Je t'aiderai après, mec, mais ça sera pas gratuit. Épée d'épandage, droit devant. N'oublie pas ton arrosoir. Zut de flûte. J'ai perdu le bébé. On m'a demandé de surveiller une petite carotte, alors je l'ai coincé sous mon tabouret, mais il a réussi à se sauver. Peut-être que j'aurais dû mettre le tabouret sur la tête. Bref, tu veux bien garder la paupière ouverte? Quoi? C'est pas ce qu'on dit? Qu'est-ce que c'est? Non, mon dieu! Mon dieu, je suis recherché! $1 de récompense! Oh là là! Hop là! Qu'est-ce qu'on a ici? Je suis cheap! Ouais, mais ça va changer! Ça va changer, je vais faire tout mon nécessaire pour que je sois recherché de ouf. Parce que là, je le prends mal. Le criminel au fond de moi le prend mal, tu vois. Ah, salut, petit navet. J'explore la région et je fais des fouilles dans la forêt. J'ai trouvé quelque chose d'épatant. Au nord d'ici pousse une incroyable planticus, coupe-coupus. Tu devrais aller jeter un œil. Mon dieu. Salut mec, t'as une bombe de peinture? Ça me démange de dégrader un bien public, tu vois? Yeah. Yeah. Ok, j'aime beaucoup l'écriture de ce jeu. C'est qu'un village de tarés et tout, tu vois. Cette plante est assoiffée. Que quelqu'un l'arrose. C'est dangereux de pousser seul. Prends ça. Ok, j'ai une épée. Ok. Alors, voyons ce que le jeu a dans le ventre. Si je découpe les herbes, est-ce qu'il y a des trucs à l'intérieur? J'ai pas l'impression, non? Ça va finir en meurtre? Non. Mais non, je suis un petit navet trop mignon, quand même. Je vais pas tuer les gens. Salut, mec! Salut, petit navet. J'explore la région, mais ça, tu me l'as déjà dit. Oui, mais tu me l'as déjà dit. Tiens, elle est là, l'épée. Miss Bim! Ok, je peux tuer les escargots, par contre, maintenant. Genre, zéro respect pour la vie, tu vois. Ok, ça, on peut toujours pas. Et la petite carotte, la petite carotte... La petite carotte, elle a disparu, mais je sais pas où elle est. Ça se trouve, elle est dans les fourrés, tu vois.
Et salut, Ginny. Bienvenue à toi. On vient tout juste de lancer le jeu, Ginny. On joue un petit navet qui respecte pas bien la loi. Il fait de l'évasion fiscale. Il doit 143 000 dollars au maire de la ville. Et on est censé faire des actions pour rembourser notre dette façon Tom Nook. Tiens, je t'ai aidé, mec. Oh, Jerry, c'est l'argent de poche, l'argent pour le loyer. Jerry allait payer sa part de loyer. Dommage, hein. Dommage, au final, il avait vraiment payé le loyer. Mec, t'as tué Jerry. Mais pourquoi t'as fait ça? Il avait préparé l'oseille pour le loyer. Oh bah c'est cool, hein. Bon, puisqu'il est raide, tiens, prends ce chèque. Oui, j'ai gagné 1,25$. 1,25$ pour les impôts. Note, désolé si t'es mort, Myrtille. On le déchire, on s'en bat les couilles. Eh mec, c'est chelou les escargots, non? Je me suis acheté des chips avec l'oseille, elles sont bonnes, je vais pas te mentir, quoi. De là. J'essaie de voir si je trouve pas les trucs, hein. T'as qu'à dire que tu es un navet navré. Là, j'ai le kill. Je peux pas laisser passer ça. Il est où mon arrosoir? Oh non. Il me dit la même chose. Et le maire, il me dit quoi? C'était quoi déjà ma quête? Tu n'as pas compris, tu viens de commettre une fraude fiscale, mais tu me l'as dit au début. Tu me dois beaucoup d'argent. Ah, il faut que j'aille au chemin cheminant, mais ça, c'est à l'ouest. Et l'ouest, je pouvais pas y aller. Parce que, voilà, il y avait ça, justement. Allez, let's go. Chemin cheminant, en avant. T'es qui, toi? Tu as besoin d'une coupe de fan de toute urgence. Je suis le grand Edgar, le meilleur coiffeur de bourg de Pot-au-feu. Un de mes clients veut que moi, le grand Edgar, je lui teigne les feuilles. Mais je n'ai pas de teinture. Je dois m'occuper de ce client avant de pouvoir tailler tes fans, minable. Reviens plus tard. C'est pas très gentil, ça. C'était pas la carotte à côté du passage vers l'ouest? Y a pas de carotte ici. Ça, c'est une patate. C'est une vieille patate. Et ça, c'est des petits chats. Et lui, c'est Edgar la carotte, mais il est trop vieux. C'est pas le gamin que je cherche. Je viens d'acheter ce petit champ, il est pas très spacieux et tellement cher. J'espère l'exposition plein sud va me sucrer le pulpe quand même, hein. Oui. Du coup, tous ces pauvres légumes et fruits travaillent, mais ils se font extorquer l'argent par le maire, c'est ça? Oh bonjour, tu aimes investir dans l'immobilier? Oh, petit navet, pardon, mais j'espère que tu retrouveras ta serre rapidement. J'ai beaucoup de travail en ce moment car le maire Oignon veut augmenter la taxe d'habitation. Il faut toujours que je cherche de nouveaux clients. Ah, mais non, mais c'est très drôle, hein. Et crois-moi, tu veux pas aller par là, il se passe de drôles de choses. Hein. Fais-moi confiance, gamin. Et gamin, c'est accès interdit ici, hein. Mais reviens quand t'auras fini le jeu, en fait. Et c'est ce que le boss nous a dit. Moi non plus, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Bienvenue chez Passage Souterrain, le roi du sandwich niveau 3. Qu'est-ce que je vous sers? Ah, tu veux rien? Évidemment. Mais c'est la crise, je sais pas quoi faire. Peut-être que si un influenceur voulait bien faire un placement produit... Salut. Ça me sauverait. Ok, eh bien les gars,
Allez manger à Passage Souterrain, le roi du sandwich niveau 3. Je sais que c'est la tendance en ce moment que les influenceurs sortent des dark kitchen et des trucs de burger. Mais allez-y, c'est vraiment délicieux. Ça coûte 12€ le menu. Après, on a bien mangé, tu vois. Allez-y. Voilà, c'était mon meilleur placement produit, putain. Haha! Qu'est-ce que c'est? Passage souterrain, ticket de caisse, un sandwich, 15,99€. Cornichon, 12,99€. Service, 2,99€. TVA, 4,11€. Sous total, 36€. Pour boire, non, cœur. Avez-vous pensé à vos impôts? Achetez la compta facile. 3% de réduction avec le code RADIRADIN. Allez, ça part ou quoi? Allez, on déchire. C'est quoi cet endroit? Offre d'emploi, on recherche des exterminateurs pour se débarrasser du bétail. Quoi? Faut que je tue le bétail? Incroyable. Les pauses café, y'a que ça de vrai, hein? Hé hey, gamin, c'est un chantier ici! Pourquoi je travaille pas? Bah je prends ma pause. Je travaille ici, gamin. Voilà des documents qui le prouvent. Alors, qu'est-ce que c'est? Formulaire 2023, 1099, DIV. Nom, adresse, ville, état, avis sur les pelouses. Le maire Oignon, maison de Petit Navet, ferme de Rigsby, New York. J'aime les pelouses. Débiteur, adresse, ville, état. Ok, ok. Encore une facture? Si c'est une facture, ça dégage. Salut toi. Et salut Navet, salut. J'ai des problèmes de mémoire à court terme, j'aimerais aller à Bourg-Pot-au-Feu. Dis-moi où je me trouve. Oh merci, je sais où je suis maintenant, hein. Oh ça c'est gentil ça. Bon, il dit la même chose. J'ai gagné un trophée, putain. Il faut toujours récompenser les joueurs. Oh ça c'est gentil ça. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Salut les fruitos, c'est Reine du 93. Salut les fruitos, je suis l'assistant du maire Oignon. Tu peux m'appeler par mon pseudo Reine du 93. Je suis la meilleure joueuse de League of Lentilles, de Bourg-Pot-au-Feu. Je te dirais bien de t'abonner à ma chaîne, mais je ne poste plus rien depuis que les cochons font trop de bruit. Oh, tu veux rentrer dans les tables étonnantes? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Je ne laisse entrer que ceux qui m'offrent un sandwich niveau 3. Je ne te laisserai pas rentrer comme ça. N'oublie pas de me laisser un pouce en l'air, hein. Il faut un sandwich. C'est un jeu français? Je crois pas que ce soit un jeu français, par contre, hein. Non, non, c'est une belle traduction VF qui a été faite. Mais je crois pas que ce soit un jeu VF. Mais est-ce que je peux acheter un sandwich, moi? Ah, c'est toi. Hein, Reine du 9-3 veut un sandwich niveau 3? Tiens, je te l'offre. Je veux juste qu'elle le mange pendant le live en échange. Vous avez gagné un super sandwich pour faire de l'influence et du placement produit. Excellent, Reine du 9-3. À toi de jouer. Oh, petit Navet, merci pour ce sandwich niveau 3. En me faisant ce cadeau, tu débloques le palier qui te permet de rentrer à l'étable étonnante. Et je t'offre un autographe. Voilà, maintenant, j'espère que quelqu'un va faire taire ce satané cochon. J'ai hâte de reprendre mes lives. Merci pour ce sandwich niveau 3, petit Navet. La prochaine fois, n'oublie pas de payer tes impôts. C'est important. Big bisous, bien baveux, Reine du 9-3. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le déchirer. Salut les fruitos, qu'est-ce que tu veux? Tu veux regarder mon live? Désolé, mais j'arrive pas à me connecter depuis que le maire Oignon m'a envoyé dans la nouvelle mairie. C'est bien trop bruyant. Si quelqu'un pouvait charger les cochons. Je m'en occupe. Ils sont où? Mon dieu. Je peux utiliser mon arrosoir. Boum boum active, arrosez-la deux fois à vos risques et périls. Ah! Fuck yeah. Par contre, je peux pas la bouger, j'ai l'impression. Peut-être si j'utilise l'épée. Non. Ça sera sûrement pour plus tard. Ha ha!
Oui. Mon dieu, j'ai trouvé les bottes boum boum. Je peux maintenant shooter dans les boum boum. Cours vers elles pour les faire voler. Exactement. Votez pour le maire oignon. Votez pour le maire oignon. Votez pour le maire oignon. Salut toi. Hé hey, petit navet, je prends une pause. Y'a un cochon qui m'a mis un coup de pied en plein tubercule. T'en fais pas, je vais bien. J'espère que quelqu'un va nous en débarrasser. J'ai entendu dire qu'on pouvait shooter dans les boum boum avec des bottes spéciales. Fais les pousser un peu et bim. Ok, j'ai l'impression que... Attends, là c'est une voie sans issue ou pas? Ouais. Bienvenue, bureau du maire oignon. Eh, y'a pas des choses à piquer? Alors, comment remplir sa déclaration? Signé William Poire. Alors, Ah, je peux pas lire le bouquin. Bon, c'est pas grave. On va déchirer un bouquin à main nue. Je sais pas comment il fait. Je pense qu'il est très très fort pour déchirer un bouquin à main nue, mais il va le faire. Allez! Mathieu fait tellement bien la voix du perso muet. On capte toutes les intentions néfastes du navet. Ah, ça s'apprend, hein. Ça s'apprend quelque part. Allez, le petit arrosoir. Allez! Et on devrait rejoindre. Ouais, on rejoint le début. Là, ici, on a une porte fermée à clé. Non, je veux... Non, je voulais pas te parler, putain! Laisse-moi. Ok, on prend l'épée parce que ça va être la bagarre. Non. Oui! Je sais pas si je suis particulièrement de bonne humeur aujourd'hui, mais j'adore ce jeu, tu vois. Il me fait mourir de rire. Aïe! Putain, j'ai pris tarif! Quand il gagne un cœur, il rote. C'est incroyable. Je sais pas comment passer par là. Mais après, comme j'entends des cochons de l'autre côté, je cherche pas non plus comment faire, quoi. Ouais. Et du dieu! Cet endroit est une véritable décharge! Je comprends bien qu'il nous faut une mairie, mais pourquoi est-ce qu'on doit la faire ici? Bon sang. Cochon! Plus de cochon! Les poulets, ça dégage! Ouais, les poulets aussi, on s'en fout! On joue un méchant, putain! Salut la Poirella! Bienvenue à toi! Bienvenue dans Turn Make Boy. Fais de l'évasion fiscale, nom de Dieu! Ah bah les escargots! Alors! Bah toi t'es bloqué ici mec! Enfin les secours! Je savais que les gars ne m'abandonneraient pas! Je suis coincé ici depuis 3 jours, sans boire, ni manger, sans pause café! Merci gamin! Attention, il y a des cochons dangereux de l'autre côté! Allez! Mon dieu! Roi des cochons, il a mangé un peu trop de... J'ai pas eu le temps de lire. Mon dieu! Je pense qu'il va falloir utiliser nos... Ah, c'était engrais. Engrais, ok. Du bacon. Du bacon.
fruit de cœur. Ce fruit te donne un cœur de plus. Trop bien. Du bacon, putain. Oh la vache. Mon dieu, l'engrais, ça fait tout pousser à toute vitesse. Pourquoi est-ce que le maire Oignon voudrait ça? Rapport de recherche numéro 1. Il semblerait que ceux qui avalent de l'engrais subissent une croissance accélérée très mystérieuse. Il est louche, le maire. Il est louche. Déjà, il nous pique tout notre argent. Avec les impôts. Toi, t'es occupé? J'ai besoin de bois. Je connais un gars sûr. Tu peux aller m'en chercher. Remonte le chemin cheminant. Il devrait être près de la sandwicherie. Merci, gamin. Je t'envoie ça. Ok, du bois, du bois, du bois. On a beaucoup de quêtes secondaires, hein. Il va falloir retenir tout ça. Cet endroit, c'est n'importe quoi. Béni soit les champis, et tu as fait tout le boulot à notre place. Oui. D'ailleurs, je vais te payer, tu vois. Merci, t'es trop fort. Petit navet, c'est toi qui es allé chercher mon sandwich. Merci. Pour te remercier, je te couronne roi du 9-3. Je suis le roi du 9-3. Hé, j'ai une couronne. Je suis le roi du 9-3, putain. On va aller chercher le bois. Il doit être là. C'est que c'est interdit ici. Reviens quand t'auras fini le jeu. Mais ça, tu me l'as déjà dit, ça. C'est qui a du bois? Ah bonjour, t'aimerais investir dans l'immobilier? Mais ça, tu me l'as déjà dit, ça, pour la taxe d'habitation. Attends, je vais peut-être aller voir ses collègues. T'as pas de quête? Le journal de quête? Non. Non, mais on va faire fonctionner notre mémoire. On va faire... Le jeu a pas l'air très grand, hein. Je regarde s'ils changent leur texte. Attends, mais il m'a dit quoi? Le type, je viens de dire que j'avais une bonne mémoire, mais je viens d'oublier, tu vois. Il m'a dit quoi? Il m'a dit à côté du camp et tout, tu vois. À côté de la sandwicherie, je suis pas fou, hein. T'as fait tout le boulot à notre place? Attends. C'était pas lui. C'était pas lui, c'était pas lui. J'ai besoin de bois, je connais un gars sûr, tu peux aller m'en chercher. Remonte le chemin cheminant, il devrait être près de la sandwicherie. Eh oui, il est près de la sandwicherie. C'est peut-être l'écran de gauche. Oui, tout à fait, il y a un endroit à gauche qui s'est débloqué. C'est pas grave, on va découvrir. On va découvrir. Merci beaucoup, tu m'as donné un coup de main. Je vais te rendre l'appareil. Voilà un livre qui devrait changer ta vie. Mon dieu, qu'est-ce que c'est? Édition La Brune, la compta facile. Payez vos impôts comme un pro. Compta pour les légumes. Calcule vos impôts. Vive les impôts. Impôts. Contient de nombreux conseils. Ouais, ben, je vais le déchirer, tu vois. Lui, il voulait quoi déjà? La teinture, il voulait de la teinture. Il y a deux personnes qui veulent de la teinture pour l'instant. Alors là, on va aller voir ici. Ah, toi, t'es louche, t'as du bois. Eh, tu viens de la part de la betterave? Tiens, n'oublie pas, on se connaît pas. Hey, le bois, est-ce que c'est illégal? Ça va, c'est du bois, les gars. Regarde, il y a un autre dealer et tout. C'est l'endroit des dealos. Ta maman t'a jamais dit de jamais parler aux étrangers, hein? Allez, ça part. Un cœur de plus. Et salut Animacreed, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Bon, on va aller voir notre collègue.
Le concept de la carotte dinos qui a des lunettes de soleil, ça me fume de rire. Mais oui, de ouf. Et bonne soirée, Nagil Kill. Bon courage pour le taf. À la prochaine. Bon courage à toi. Merci, gamin. Tiens, prends ce casque. On en a plein. Ouais, la sécurité avant tout. Casque de chantier. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un casque de chantier? Ou j'ai plutôt envie d'avoir une couronne de bagasse? Mais j'ai ma couronne, putain. Bon, on va aller filer l'engrais. D'ailleurs, est-ce que j'ai un truc inventaire? Ah, c'est là mon inventaire, en fait. Ok. Simple, efficace. Parfait. C'est exactement ce qu'on veut. Alors... Rien de savoir que ces animaux ne sont plus un problème, cet engrais me serait très utile. Bien maintenant, cher assistant, j'ai besoin d'une fourche à quatre dents. Avant, on appelait ça une fourchette. Hein? Les assistants ne posent pas de questions. On dit qu'il y en a une dans la ferme fantôme, c'est au sud d'ici. On raconte que cet endroit est plein de sucreries moisies. Arrête de râler, va me chercher ma fourchette. Au sud? Stéphane Bern. Non, je voulais pas faire la voix de Stéphane Bern, mais pourquoi pas. Sandra. On aime apprendre de nouvelles danses pour les poster sur TikTok. Oh. Des fois, on fait du karaoké aussi. Ok, coolos. Bonjour, je suis l'institutrice, ravie de vous rencontrer. Mmh. Je ne peux pas bavarder avec toi, je dois surveiller mes élèves. Nous faisons une sortie scolaire. Mmh. Cet endroit est incroyable, il y a une grotte très intéressante que je veux montrer aux enfants. Ok, let's go. Et merci The Friendly Stranger, merci beaucoup pour le prime de 5 mois, merci à toi. J'ai dabé sans faire exprès dans le téléphone de Sana pendant qu'on se filmait pour faire un tic-tac. Et il est tombé de la falaise, oups. Cette journée est horrible. Mmh. Mon téléphone est tombé de la falaise. Mmh. Je ne sais pas quoi faire. Ok, je vais le chercher. Je vais le chercher, je suis coolos. On dit que le Clément Toutou disparaîtra quand le jeu sera fini. Personne ne sait ce que ça veut dire. Ça fait deux endroits où ils me disent ça. Wouf. Mmh. Wouf, wouf. Je peux pas passer par là, j'imagine. Non. Salut, toi. Salut, fier aventurier. Mmh. Je vais très bien, merci de le demander. J'observe les escargots. Je suis l'escargologue du coin. C'est une espèce en voie de disparition. Mais je les tue depuis le début. Nous, les fruits et légumes, nous devons tout faire pour les protéger et préserver notre écosystème. Mais c'est vos prédateurs. Zbim. Il s'en fout. Il s'en fout. Bim! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Rapport de recherche numéro 2. J'ignore combien il y a de poissons dans cette mare, mais il semblerait que j'en envoie qu'un seul à la fois. Zbim! Eh ben, il est mort. Bienvenue dans le champ de carottes, étranger! Ici, on vit loin de la ville, c'est flippant là-bas. Alors on préfère rester ici, on fait notre petite vie. Ne t'en fais pas! Tu ne risques rien ici. Il y a des trucs bizarres qui nous a attaqués, mais je m'en suis chargé. Allez quoi? Je l'ai jeté dans la poubelle. Ah! Tu as vu ce truc orange? C'était tout petit, on aurait dit moi, mais en tout petit. C'est bizarre, non? On appelle ça un enfant, mec. Zbim! Le gamin, il doit être là. Il est peut-être dans le coin, là. Merde, comment je passe ici, moi? Aha! Qu'est-ce que c'est? Jardiville. Plus de verdure, plus d'argent, ticket de caisse. Vous avez été servi par ces bâcheurs. Un sachet de graines de carottes. Ok, très bien. On le déchire. On n'aime pas les papiers ici, ok?
paraît que la vue est magnifique là-haut, hein. Dommage que les escaliers soient cassés. C'est peut-être qu'un tabouret suffirait à grimper. Un tabouret, je sais où en trouver, hein. Tu aimes ma collection de cartons? Non, je te jure qu'ils sont pas là pour t'embêter, pour t'empêcher de passer au niveau suivant. Ce serait absurde. Absurde, oui. Toi, tu chantes et tout? Petite carotte perdue. Ah, c'est une référence à Jojo? Putain, je l'avais pas. Sa nounou doit le chercher partout. Ah, c'est la référence à Jojo. Ah oui. Bien vu. J'ai pas tout fini de Jojo Bizarre Adventure. Alors, les agents du FBI, ils bloquent ici. Petit navet. Alors, on essaie de rembourser ta dette? Tu devrais t'y mettre. Moi, je cours partout parce que je suis le meilleur, tu vois? Toi aussi, tu arriveras un jour. Bref, tu ne peux pas aller par là. On a des choses à faire de notre côté. Tu peux passer par là? Non, du coup, je peux pas récupérer le téléphone. Mais par contre, je peux aller récupérer le tabouret. Je peux aller récupérer le tabouret grâce au bébé carottes. Et donc, du coup, monter dans la baraque. Pim! Et alors, il est là? Ouais. Et t'as trouvé le bébé? Merci, prends mon tabouret, c'est la seule chose que je possède. Cette fois, il s'échappera pas si je le coince dans mes fans. Voilà, nickel. Petit tabouret pour prendre de la hauteur, comme moi dans les festivals. Je pense que cette nouvelle méthode fonctionne bien mieux, quoi. Ouais, bah c'est bien, bah vite à vie, hein. Et salut Arwen, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. On est en pleine évasion fiscale, ouais. Alors pour l'instant, on fait pas trop d'évasion fiscale. Mais j'espère après on en fera un peu plus. Là, on essaye de rembourser nos dettes. Merde, je vais au mauvais endroit. On peut taper les huissiers. Je peux essayer, hein. Mais j'ai pas l'impression qu'on puisse. Regarde, ils sont là, les huissiers. Spim! Spim! Non, on peut pas. Ok. Le petit tabouret. Allez. Ça part. Ferme fantôme. Mon Dieu. Page de journal. Maman et papa m'ont puni. Parce qu'ils ont trouvé un carreau cassé à la fenêtre. Mais c'est Mats le coupable. Non? Je ne suis pas une balance. Mais j'aurais bien aimé qu'ils disent la vérité. C'est bien, t'es pas une balance. Ce jeu me tue de rire. Ah! Ah! Putain, c'est sniper quoi! Des vieux bonbons! On est dans Adventure Time, putain! Qu'est-ce que c'est? Un masque! Ah! Le Covid! N'oublie pas que ça va aussi sur le nez! Et ce n'est pas un masque de menton. Merci le jeu. On dirait du Nujabes. De ouf le... La musique dans l'anime, dans l'anime Samurai Champloo, c'est ça? Un peu, ouais. Excellent anime d'ailleurs, Samurai Champloo. Qu'est-ce que c'est? Ah! Merde, j'ai fait exploser la pastèque carrée! C'est qui fait des pastèques carrées? C'est les Japonais, non? Je crois que c'est les Japonais qui font des pastèques carrées.
Page de journal. Aujourd'hui, on est allé voir Matt jouer au baseball. C'était trop bizarre. Tout le monde portait des masques. Et on devait rester à distance. Mais Matt a trop bien joué. Je crois qu'ils font des pastèques carrées pour les... En termes de... Pour gagner de la place, pour les entreposer, c'est ça? C'est pour les étals dans les magasins? Ouais, c'est ça. Parce que ça s'emboîte plus facilement que quand c'est des... Quand c'est des... Quand c'est des sphères. Ah! Ah! Lâche-moi! Ok, on fait le mur, normalement. Mais... Bim! Waouh. Boîte à glace. Attends. Ah non! Avant d'aller ici, je voulais checker. Je pense que ça, c'est une voie sans issue, tu vois. Ouais, c'est ça. Ok, ça part en pansement. Un petit bandage adhésif. Excellent. Ça, ce sera pour plus tard. Je pense que je pourrais pousser les pastèques au bout d'un moment. Salut, mec. Qu'est-ce que t'es? Une olive gardienne. Ah, mais dis donc, oh! Et tu vas nous faire 20 pompes pour la peine! Et cette porte nous a demandé 2 ans de travaux de fortification, soldat. Comment une bleusaille comme toi a pu la détruire? Ah, c'est des militaires. C'était ouf. Tu dois être le navet qui a percé nos défenses. Nous pouvons avoir ton autographe. Rien à voir avec ma petite curiosité, Mathieu, tu penses faire le deuxième DLC de A Little to the Left? Eh bien, Anne? C'est demain? C'est demain au niveau du programme. Demain, jeudi, 16h, on fera le DLC. Oh les mains, cow-boy! Est-ce que tu viens vraiment de franchir notre muraille, les mains dans les poches? J'espère que tu comptes nous dédommager. Rendez-vous au tableau des missions, il y a les gringos qui ont besoin d'un petit coup de main. Fais pas cette tête, il faut bien rembourser ta dette. Rends cette clé pour continuer à explorer le corral et donner un coup de main. Fais attention, il y a du moisi partout. Ouah, un petit chou. Soit un petit chou, ouais, il manque un S, c'est pas grave. Et démarre le générateur, d'accord? Donc redémarrer le générateur, on voudrait bien s'en charger nous-mêmes, mais il y a une pomme champi toute moisie qui nous barre la route. Ouais, une pomme champi, je sais, il y a quelqu'un qui en veut une. Alors, tableau des missions. Besoin d'aide, nous avons besoin de matériel médical, il paraît qu'il y en a dans la maison. Ok, parle à l'infirmière glucose. Ok. Réchauffement climatique, il fait de plus en plus chaud, le générateur est en panne, au secours, parle à Debra, le chef du campement. Cerise perdue, rond, rouge, regard vide et froid. Passe son temps à appeler à l'aide par la Carly, la cerise. Allez, ça part. Je peux pas sélectionner. Non, je peux pas sélectionner. Page de journal. J'ai caché les brownies dans le congélateur. Au moins, je sais que Mats ne risque pas de les trouver pour tous les manger avant moi. LOL. Bonjour, petit. J'espère que le nouveau venu... J'espérais que le nouveau venu soit mon fils, mais j'ai fait tout de même... ça fait tout de même plaisir de voir un nouveau pédoncule dans le coin. Je ne pense pas pouvoir sortir de la boîte à glace, mais j'espère tout de même revoir mon fiston. Tu peux même parler au feu, c'est incroyable. Yo, 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 yo! Allume-moi, attise-moi, yo! T'entends? Lève les bras pour DJ Braise. Yo, yo, yo.
Carly la cerise. Deux secondes, je n'ai pas regardé ailleurs que deux secondes et ma petite sœur s'est enfuie. Oh non. C'est moi l'adulte ici, je dois m'occuper d'elle. Depuis que nos parents ont moisi, elle est partie. Oh, tu veux bien m'aider? Merci, dépêche-toi, j'ai entendu dire que les cupcakes dévoraient les petites cerises. Mon Dieu. J'aimerais bien quitter cette boîte à glace pourrie. Il n'y a rien à faire ici. Avant, je créais des jeux sur mon ordinateur, mais il n'a pas survécu au froid. Mais bon, j'ai toujours mon vieil échiquier. J'ai des petits glaçons pour faire les pièces, si jamais tu veux jouer. Ok? Non, tu veux pas jouer? Ok, je suis blasé. Ok, attends, j'essaye de voir comment ça connecte. Salut, oreille! Bienvenue à toi. Waouh. Je pense que ça connecte ici. Alors, les olives. Ah, champi. Si seulement nous pouvions garder la porte principale. Il se place plein de trucs cool à la porte principale. Genre des gens qui rentrent. Et tout. Peut-être que nous ne sommes pas doués. Donc, ils nous ont mis ici. À la prison. Nous sommes des bonnes gardiennes, enfin. Nous le croyons. Ils pourraient nous laisser une chance. Waouh. Un bocal de cornichons. Toi. Ouais, toi, la tête de navet, ouais. Ouais, ben moi aussi je peux tenir une arme sans les mains. C'est comme ça qu'on se reconnaît entre membres de la mafia. Ouais, t'es de la famille Don Navetino. Ouais, t'as de la chance qu'on soit là-dedans. Ou on t'aurait fait... On t'aurait moisi direct. Ton daron a essayé de nous piquer notre territoire. Il faisait des réunions dans sa stupide serre. Et du coup, leur prison... C'est des bocals de saumure. c'est vrai que j'ai pas essayé d'arroser le feu. Après, c'est vraiment méchant. Hein. Yo. Ça lui a rien fait du tout. Non, ça lui a rien fait du tout. Il me redit la même chose. Ici, c'est une maternité juste à côté de la prison. Vous êtes sûrs, les gars? Arre. Je m'attends à ce qu'il y en a un qui me dise une grande phrase compliquée comme les législatives en France. Bonjour Manon. Oh la vache. Tu es surpris par mon langage? Je le conçois fort bien. Putain, j'ai eu trop le nez creux quoi. Ne crains rien. Les autres ne sont que d'innocents idiots. Je compte bien prendre le contrôle de cette boîte à glace, même si c'est la dernière chose que je fais sur cette terre. Diantre, il me faut des jambes pour cela. Et des bras peut-être? Ah ok. Salut mon mignon. J'adore tes belles fans sur ta tête quoi. Trésor, tu peux aller me chercher du matériel? J'ai besoin de pansements, de médicaments et d'un masque. Tu peux t'en charger? Oh putain, la vieille parisienne. Salut mon mignon. Pansements, médicaments et masques. Il me manque juste les médocs. Dégage. Ok, les médocs. Le couvercle a une sécurité en fort. C'est vachement important, putain. Alors, la sucette. Mon sauveur, hein, merci. Voilà une clé pour toi, trésor. N'hésite pas à venir me voir si tu veux que j'embrasse tes bobos, en fait. Oh non. Quelle voix je t'ai donnée, elle est horrible. Un bisou secret devait te remettre sur pied en a rien de temps, mon chou. Quelle horreur. Mais bouge de là. Aïe. Bagarre. Ah non. Ah, comment je triche.
Oh, comment je triche. Ça, c'est moche, hein. Ok, est-ce qu'on a loupé un petit journal? Non, c'est cool. Le gant à cube curbitacé. Ah. Utilisez ce gant pour pousser les cubes curbitacés. Attends, depuis quand t'as des mains? C'est vrai que t'as pas de mains, t'en avais. Page de journal. Maman m'a offert des gants qui ressemblent à des tranches de pastèque. C'est trop stylé. Ok, et donc là, c'est bien ce que je pensais, on va pouvoir faire. Hop. Arrière, ville énergumène. Le raccourci. Excellent. Non. Et merci Neros. Merci beaucoup pour le resub niveau 2 des 17 mois. Merci à toi Neros. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est très gentil. Arrosoir. Hop. Ça part. Let's go. La bombe. Ouais. Excellent. Non. Lâche-moi. Bouge-toi aussi. Oh, la petite cerise. La petite cerise perdue. Oh non, Carly la cherche partout. C'est bon, on va la sauver. Page de journal, JPP. J'ai réussi à avoir un autographe de Zach Breen sur mon poster de Giga Sword. Je vais mourir tellement je suis heureuse. Alors, qu'est-ce que c'est? Merde, j'ai oublié de le lire. c'était une facture. C'était une facture, mais on l'a déchirée. Pas la foutre. Oh, il s'en fout maintenant, le petit navet. Il casse tout et il s'en branle. Ok, du coup, on sauve la cerise. La cerise nous donne une clé. Grâce aux champis, ma petite sœur va bien. Mmh. Merci de l'avoir ramenée. Voici une clé pour te remercier. Oh bah merci. Oh, ces premiers mots ont été à l'aide. Grâce aux champis, ces premiers mots ont été à l'aide. Oh. On avait une autre porte, je crois, en bas. Ah, mais t'es chiant, toi. Hein. Laisse-moi. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ok, cette fois-ci, j'oublie pas. J'ai checké en mode clip, Mathieu. C'était pas une facture, c'était un ordre d'incorporation dans l'armée pour 30 ans. Ah, merci, Nyorkle. T'as grave géré. Ok, c'était pour rentrer dans l'armée. Très bien. Télégramme de l'armée, Alan C, président, Madame Rigsby, nous avons le regret de vous annoncer que le capitaine Matthew Rigsby a été porté disparu le 15 juillet 2020. Vous serez immédiatement averti dès que nous obtiendrons plus d'informations sur la situation du capitaine Matthew. Alan C, président des États-Unis. Allez, on s'en fout. On déchire tout. Mon Dieu. Le roi ronron. Pomme chapeau moisi. Non. Ah, il faut les bombes. Hein.
Putain, putain de chat. Hop. J'arrête pas de le péter, putain. Ah, mais parce que je bump... Ah. En fait, je saute dessus alors qu'il faut juste le pousser naturellement. C'est pour ça que je les pète. Non, le cat. Le cat, il casse tout. Ah, le cat. Après, en vrai, avec deux, je peux y arriver, hein. Allez, ça part. Ouais, non, c'est trop dangereux de faire ça, hein. Ça part. Gourmand! T'es gourmand! Ah! Allez, tu peux le faire! Allez, petit navet! Oui! Mon dieu. Le chat est devenu un tout petit chat. Pomme chapie perdue. La petite pomme à cancan. Oh, je vais pouvoir le ramener. Encore un super cœur. Mon dieu. Rapport de recherche numéro 3. Grosse machine qui fait brrrr. MDR. Bombe de peinture, de la peinture qu'on peut vaporiser. Vaporie peinture. Ok, on relance le générateur. C'était la quête qu'on avait à faire pour le frigo. Je vais regarder si j'oublie pas du lore. Non, je crois que c'est cool. Hey, t'es nouveau toi? Et salut, petit navet. C'était chouette d'étudier ici, mais je vais retourner à mon laboratoire pour mettre mes notes au propre. Au fait, tu as vu le gang de la saumure dans la boîte à glace? Ils sont célèbres dans la région. Je pensais pourtant que leur tête était mise à prix. Je te conseille de les aider, petit navet. Tu travailles pour la mafia, mec? Ouais, tu m'aurais dit la même chose. Il travaille pour la mafia, lui. Il veut que je les aide et tout, tu vois. Salut, toi. Et qu'est-ce qu'il vient de me dire, le navet, là, hein? Et je te ferais dire que j'étais parmi les meilleurs de ma promotion de l'école de commando, Farfal. J'en ai fait des raids à la ferme, hein. J'ai éliminé plus de 300 cibles. Je suis formé au combat légumineux et je suis le meilleur tireur d'élite de toute l'armée. Pour moi, tu n'es qu'une cible de plus, hein. Et je vais si bien te faire exploser le tubercule que je vais l'éparpiller à des carrés de potager à la ronde. Et je mâche pas mes mots. Donc si tu penses pouvoir dire des saletés avec tes airs angéliques... Réfléchis, le navet. Au moment même où je te cause, j'envoie un message à tout mon réseau. On va traquer l'empreinte de tes femmes à travers tout le potager. T'es pas prêt pour ce qui va te tomber dessus, gamin? T'es mort. Je vais devenir ton ombre, je te connais. Je connais une centaine de façons différentes de t'éplucher à main nue. Je te raconte pas ce que je vais te faire une fois que j'aurai accès à l'arsenal de commandes de Farfal. Tu vas faire trois fois le tour du potager sans que tes racines touchent terre, sale petit terreux. Si t'avais su... si t'avais su ce que ce petit commentaire pourri allait déclencher, t'aurais peut-être fait un peu plus attention avant d'ouvrir ton bec. Mais t'as pas réfléchi, hein? T'as ouvert ta bouche et tu vas en payer le prix, le navet. Je vais te passer à la lamineuse et recouvrir ton plan de travail de farine. T'es mort, sale gamin terreux. C'est pas une référence, ça? Si, c'est une référence, hein? C'était 4chan? En tout cas, je me souviens que c'était une référence du web, mais c'était peut-être 4chan, ouais. Nom d'un glaçon, t'as pu démarrer le générateur. Je suis un peu moins fâché, ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce qu'on a. Oh, j'ai gagné une fourchette. La fourche à quatre dents, mais je dois la donner à Oignon. Oh non. Tu peux partir maintenant, cow-boy. Merci pour ton aide. Mais on n'aime pas trop les étrangers de ce côté du du péco. Oh. File comme le vent. Mais on n'aime pas les étrangers, souviens-toi. Oh.
Ok, le tableau des missions, c'est terminé. Hé, hey, tête de navet, on a entendu dire que tu rendais service à tout le monde dans le coin. Tu pourrais nous aider aussi ou quoi? Mmh. On essaie de s'évader d'ici, mais il faudrait que tu brises le bocal pour nous. T'as un marteau? Mmh. On a un des gars qui peut t'aider près du chemin cheminant. Une carotte louche, tu pourras pas le manquer. Fais ça pour nous et on n'oubliera pas le passif. Et on oubliera le passif entre nos deux familles. Hein? Ok, je vais libérer les pègres. Allons libérer la pègre. Hein. Alors, et ben voilà un petit joli tabouret, c'est bien ça. Mmh. Moi j'ai le vertige, alors passe le premier, hein. Mmh. Hey, mais je peux taper avec mon, je peux taper avec ma fourchette. 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 Moi je propose qu'on aille libérer les mafieux. On a pas mal de choses à faire, hein. On va libérer les mafieux. La zik est cool. Elle est assez cool. Après, elle boucle un peu tôt, je trouve. Mais bon, après, c'est pas très grave, je pinaille. Mais elle boucle un peu tôt, ouais. Du coup, tu te retrouves avec une loupe assez rapidement. Lui, il voulait son chat. Veggie, sois les champignons, ma petite pomme. Dans la forêt, j'ai trouvé un livre appelé Manga. J'ai essayé de refaire les mêmes dessins. J'espère que ça va te plaire. Je suis plus toute jeune, mais je dessine des trucs trop choupis. Navet-chan, citoyen vertueux. Je vais lui déchirer devant lui. M'en fous de ton fanart. Oh, t'aimes pas mon dessin? Oh non. Petit navet, il parle? Arrête. 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 J'ai dit. Soit c'est une erreur de traduction, soit ils l'ont vraiment fait parler, ce qui serait étrange. Lui, il voulait une bombe de peinture. Un mes clients, nananana, j'ai pas de teinture. Je dois m'occuper de... Ok. Bah, la teinture, ça doit être pour l'autre collègue là-bas. On va aller voir la carotte de la mafia. Carotte mafia. Tu veux aider le gang de la saumure à se faire la malle, hein? Mmh. Tu m'as l'air un peu jeune pour ça, mais c'est pas moi qui dicte les règles, hein. Utilise ça pour faire sauter le couvercle du bocal. Pour le reste, ils sauront quoi faire. Vous avez gagné un super marteau, ça devrait permettre de se faire s'évader le gang de la saumure. Et gamin, si j'avais aidé des boss de la mafia à s'évader de prison à ton âge, je serais l'ennemi public numéro 1. Le navet qui sort du mutisme pour arrêter le cringe. Du coup, attends. Bombe de peinture, là-haut. Et le marteau, ok. Ok, ok. Bah tant qu'on est là, on va aller rapidement faire la bombe de peinture. Ha ! C'est un jeu feel good, hein. Ça fait du bien. Eh merci mec, tiens pour toi, repasse me voir plus tard si tu veux admirer mon œuvre. J'ai gagné un fruit de cœur, oui. Merci encore mec. Ok, si je repasse genre maintenant, est-ce que si je change de tableau? Ouais, graffiti guy. Oh. Graffiti guy. Je suis l'homme au graffiti. Merci encore mec. Ouais ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alias GG, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai.
Allez, on va libérer le gang de la Saumure ou quoi? Il est temps de s'allier avec des mafieux. Si on veut pas payer nos taxes. Si on veut balkaniser. Faut qu'on s'allie avec des mafieux. Merci, tête de navet. On te doit une fière chandelle. Tiens, c'est pour toi. Ton daron portait le même à l'époque. Tous les mafiosos doivent en avoir un. Non, un Borsalino. Tu vas me filer un Borsalino? Un Fedora? Oui, un Fedora. Oui. Adieu, tête de navet. T'es pas prêt de nous revoir si tôt. On va pas moisir ici. Bonne chance avec cette histoire de fraude fiscale. On se souvient du temps où l'oignon n'était pas comme ça. On n'a jamais pu prifrer ton daron, mais il aurait été fier de toi. Mon daron, il a fait des trucs, du coup. On est là pour le venger ou quoi? Ça se trouve, on a une backstory horrible. On doit venger le daron, tu vois. Il s'est fait peut-être tuer par l'oignon. On n'est pas allé, là. Bah non. Non, on peut pas, mais en tout cas, c'est bon à savoir, on n'y est pas allé. Il faut qu'on casse des cailloux. Là, c'est pour aller chercher le téléphone, mais il y a les huissiers de justice qui gèrent tout l'endroit. Je vais rien dire vu que j'ai fait les deux jeux Turnip. Mais oui, il y a un deuxième jeu. Moi, je suis hyper content parce que je savais pas si j'allais aimer. J'avais pris le bundle directement. Donc, c'est-à-dire les deux jeux à prix réduit. Et du coup, je savais pas si j'allais aimer. Mais en vrai, là, je suis ravi qu'il y ait un deuxième opus. La fourchette à quatre dents me sera bien utile. Ah non, je lui avais fait une voix un peu plus. La fourchette à quatre dents me sera bien utile. Tout se passe comme prévu, oui. Bref, Annie m'a parlé d'une gelée avec d'étranges propriétés dans la forêt fumeuse. J'en veux. Non, ça ne se mange pas, non. Ramène-moi la gelée. À tout prix. La forêt fumeuse? La forêt fumeuse? Ah, ça doit être en bas et les huissiers, ils ont dû se barrer. Ouais, à l'ouest, forêt fumeuse. Ça part. Il va y avoir que des types qui fument des clopes, c'est ça? Salut, petit navet. Bienvenue dans la forêt fumeuse. On ne voit pas beaucoup de nouvelles têtes ici. J'étudie cet endroit depuis longtemps. J'ai vu des choses étranges dans les bois. C'est dangereux, mais ici, on trouve des tas d'indices sur nos origines. Viens me voir dans mon laboratoire. Je peux t'aider à trouver de la gelée pour le méronion. Tu dis la même chose. Ouais. J'arrête de leur reparler, ils disent exactement la même chose. Le marteau, il casse pas les cailloux? Non. De toute façon, j'ai plus la fourche. Sinon, c'est l'épée. Mais je vais avoir un casse-cailloux, là, c'est sûr. Je vais avoir un casse-cailloux. Il y a un lapin. Zbim! Après, il m'aurait bouffé en soi, je suis un navet. Techniquement, c'est un prédateur. Ah! C'est une eau maudite. Là, il y a le téléphone. Mais oui! Le téléphone de Sana, j'ai changé le mot de passe MDR. Ce navet du chaos, mais c'est du génie, putain. Et salut, hérétique. Pas mal le sous-like, t'as vu?
Ça change de Elden, ouais. Ça fait du bien, des fois, un petit peu de douceur. Même si ça reste un navet du chaos. Hein. Alors, Sana, c'est toi? Non, toi, c'est Sarah. Ah, par les champis, t'as trouvé mon téléphone. T'as l'air d'aimer la technologie, toi aussi. Tu veux bien signer notre pétition? Le maire Oignon veut censurer Tic Tac. C'est mon appli préférée, mais je sais même pas comment elle est arrivée sur mon téléphone, en fait. Pétition. Il y a Oli, Ellie, Hayley, Slay Queen et Strawberry qui ont signé. Allez hop, je déchire. Attends, mais t'as changé le mot de passe? Oui. Ah, oh, le navet du chaos. Ah! Il veut me bouffer, putain! Aïe! Ah, il est full KO. Hein. Ah oui, il est full KO. Après, je sais pas si on peut dire qu'il est chaotique mauvais. Je pense qu'il est chaotique neutre, tu vois. Je pense qu'il a aucune notion du bien et du mal. Parce que des fois, il fait des bonnes actions. Hein. Je crois qu'il a aucune notion, ouais. Il est vraiment full chaotique neutre. Il sent pas les couilles. Mon Dieu! Fraude fiscale, larcin, exhibitionnisme, choupitude extrême, meurtre, trouble à l'ordre public, effraction, dégradation de biens. 2$. Attention, il est armé et dangereux. On a fait de l'exhibition? Après, on n'a pas de vêtements, techniquement. Techniquement, on n'a pas de vêtements, c'est vrai. À part un chapeau, tu vois. Allez, hop. Ça dégage. Alors, une petite maison. On progresse. 2$. C'est tout. 2$ hein, pour ce que j'ai fait. Hein. 2$. Rapport de recherche numéro 4. Grâce au maire Oignon, j'ai pu construire un laboratoire. Quel secret se cache dans cette gelée? C'est moi ou il y a un tonneau radioactif juste derrière, là, en jaune? Salut, petit navet, bienvenue dans mon laboratoire. Mmh. J'ai tué la forêt pour en apprendre plus sur notre passé. Mmh. On ignore d'où nous venons, mais c'est incroyable. Heureusement que le maire Oignon veut bien financer mes recherches. Et s'il t'a demandé d'être mon assistant, c'est encore mieux. J'ai besoin de toi pour mon enquête de terrain. Mmh. Peux-tu partir au nord d'ici? Il y a une fresque que je voudrais voir, mais je n'y arrive pas à y accéder. Hein, non. Mais je suis... Même si je suis une aventurière, je n'aime pas me salir, quoi. Mmh. Si tu arrives à y accéder, j'aimerais que tu me fasses un croquis, d'accord, hein? Ok, file-moi la clé, non? Non? La clé, ça sera après? Ok. Allez, let's go. Ça sent la radioactivité, ouais. Ça se trouve, c'est des légumes radioactifs, hein? En mode Adventure Time. Astuce, savais-tu que tu pouvais arroser à travers les clôtures? Maintenant, tu es un vrai pro du jardinage. Ah, des TP. Arrière, ville lapin. Putain, Portal, quoi. Ah, la vache. Ils ont pris les mêmes couleurs que Portal, en plus. C'est ça, hein. C'est du génie, hein. On est des putains de légumes radioactifs. C'est du génie. Non!
la vache! Eh, t'es solide, toi! Hein. C'est barré, quoi. Il a boudé. Il a boudé. Est-ce que... Quelqu'un a dessiné un champi géant ici. Trop cool. Ah mais non, c'est pas un champ... C'est pour ça qu'il parle de champi. C'est une catastrophe nucléaire. C'est pas un accident... Enfin, c'est pas des déchets nucléaires. C'est une guerre. C'est vraiment Adventure Time en fait. Ok, c'est trop marrant. Non. Tu as réussi, bien joué mon fidèle assistant. Oh mais c'est étrange. J'avais déjà entendu parler des champis géants, je ne sais pas... Je ne sais que ça semble invraisemblable, mais je pense qu'ils ont existé il y a très longtemps. Je vais avoir besoin de plus d'informations avant de tirer des conclusions. Tu vas m'aider. Prends cette clé, va au sud. J'ai entendu parler d'un champ de navets très ancien, mais je n'ai pas réussi à le trouver. Va interroger les gens du coin pour en apprendre davantage. Tu m'as filé la clé ? Ouais. Let's go. Zbim. Alors attends, j'ai l'impression que là c'est une voie sans issue. Ok, non, on peut passer avec un TP. Là on peut pas passer. Parce qu'on a pas le pouvoir de détruire les pierres à main nue. En vrai, je préfère quand j'avais ma couronne de roi. Hein. Ouais, elle est mieux. Et run sur Hassan. Oui. Toujours pas, hein. Allez. Allez. Ça part. Champ de navet maudit. Champ de navet. Mon dieu. Navet. Il est où le cucu? Elle est où la tétette? Mon dieu! Mais t'es devenu énorme! Mais t'es radioactif toi à moitié, hein. Non? Ah mais oui, mais regarde, il y a des sachets d'engrais au sol! Plus dur que Malenia, putain. Ok, il s'est barré. Il y a des sachets d'engrais, du coup, il est devenu énorme. Mais je pensais que c'était la radioactivité, mais peut-être que l'engrais, il est corrélé avec la radioactivité. Un pétale portail. Utilise-le pour faire apparaître un pétale portail. Excellent, ça.
Ah ouais, vraiment, on est en mode portal. Pétale portail, ok. On va essayer de faire derrière le trou. Ça marche ou quoi? Non, pas vraiment, non. Hop là. Hop là. Hop là. Non, ma bombe! J'ai pris de lapin. Ok, c'est l'heure des casse-têtes. Merde, quel con. Nous sommes libres. Alors? Oh, Champi, je ne comprends pas. Il te ressemble, mais il n'est pas conscient. Je suis désolé, petit navet. Ces aventures ont pris un tournant bien sombre auquel je ne m'attendais pas. Nous avons besoin de terminer cette enquête et de comprendre comment tout ceci s'articule. Voici la dernière clé. Prends-la et va vers l'ouest. Je pense que c'est là que tu trouveras des réponses. Ok. Merde. Alors, c'est qui lui? Un cupule. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que je suis, moi? En vrai, il a des taches vertes sur la gueule. Dans la convention sociale, le vert, c'est lié à la radioactivité. Il s'est fait irradier, il a pris conscience et il est devenu un être vivant. Moi, je le visualise comme ça, tu vois. Bien que la radioactivité, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, hein. J'ai chou, quoi. Mais je suis sorti de cette gelée, je me rappelle de rien. Eh bah oui. Oh, ma tête, oh putain. J'ai les oreilles qui sifflent. Eh ben, la loose un peu. Mon dieu. Oh non. Le cerf, la nature peut être cruelle. Non, monsieur le cerf. Oh la vache. Mais non, mais pourquoi j'ai pris cher? Ah, je sais pas si ça touche là. Non, ça touche pas. Ah! Putain de lapin, il me nique mon flow, putain! Si j'aurais le temps. Non, j'aurais pas le temps. Il est mort, ce boss.
Je me débarrasse des lapins, je fais un tour pour rien, mais c'est pas grave, ils sont trop... Je sais pas si ça rentre là. Non ! Ah si, ça passe. C'est le navet qui rote ou c'est Mathieu ? Je me permettrai jamais de roter en live. C'est le navet qui rote à chaque fois qu'il regagne de la vie et qu'il mange un cœur. Allez, un fruit de cœur. Parfait. Regarde, je perds de la vie. Quel enfer. On n'a rien oublié. On n'a rien oublié. Alors, je l'ai verte. Ça me fait bizarre de toucher ça. Qu'est-ce que le maire oignon va faire? Ils sont passés où les glands? Ils sont les glands derrière. Nice. Petit navet, tu es tout luisant. Ce n'est pas très rassurant. On dirait que tout autour de toi prend vie. Oh, la gelée a un visage. Est-ce que c'est un légume ou un animal? Ni l'un ni l'autre, on dirait. Quoi, tu as rencontré des cupules parlantes? Je pensais que les cupules étaient juste des graines d'arbres. La gelée, le navet, les champis géants. Nous tenons peut-être la clé de notre évolution. Est-ce que les champis géants ont créé la gelée pour nous donner la vie? Je dois écrire un rapport pour le maire oignon. C'est extraordinaire. Merci pour ton aide, petit navet. Je t'offre ceci, tu es maintenant un vrai archéologue. Un chapeau. Non, je préfère ma couronne. Filez-moi ma couronne, tu vois. C'est le premier, elle. C'est le tout premier. Tu dois être... Proprio. J'ai une feuille, navet. Alors aide-moi. Une feuille? Une façon comme une autre de s'acheter du terrain. S'il te plaît, navet, je dois devenir proprio. Ok, je me souviens de quelqu'un qui vendait des propriétés. Arbre. Tu es un cousin de l'arbre? Oh, bibou. Bibou. Oh non, mais ça c'est trop bien. Il y a un moyen de changer rapidement les objets. Avec les gâchettes, putain. Ça sauve la vie, ça. Alors... Il y avait ça qu'on pouvait pas faire, mais comment on a chopé les portails? On peut? Let's fucking go! Allez, un cœur gratos. Et eux, ils me disent quoi? Ça va, les copains? Gordon! Gordon! Timothée! Gordon et Timothée. Alors, Gordon Freeman, je l'ai. Timothée? Et merci, Papa Poupoulos! Merci beaucoup pour le resub des 14 mois. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, qu'est-ce qu'on avait chopé? La gelée, c'est pour le maire. Et la propriété, c'est à gauche. Ah, mais c'est vrai que je suis tout luisant. Non? Je sais pas. Je luis, hein.
On est d'accord. Je luis un peu en vert, j'ai l'impression. Je suis irradié, quoi. Tiens, c'est lui qui a accès à la propriété. Oh, tu m'as trouvé un client. Leur budget, c'est une feuille. Ouais, c'est pas vraiment... Le pouvoir d'achat n'est plus ce que c'était, hein. Ah oui, tu prêches un convaincu. Voilà, tu peux lui amener ceci. Je peux au moins leur vendre un tout petit bout de terre. Un terrain qui vaut bien une feuille. Et bonne soirée à Tani. À la prochaine. Bonne soirée à toi. Mon affaire va couler, hein. Ouais. Le radis irradié. Ah non, je suis pas le radis. Je vois la référence, mais je suis pas radis, je suis un navet. Je suis le navet irradié. C'est une chaîne concurrente. Il fait des enquêtes, mais aussi... Mais il fait tout pareil, il fait des enquêtes, mais elles sont nazes. Des enquêtes de navet, quoi. Ah, c'était pas lui, c'était un autre, hein. C'était lui. Merci, Navet. Tu peux lire pour moi, je peux pas. Vous êtes proprio. N'oubliez pas de payer vos impôts. Je sais pas si c'est très légal comme document, ça. Allez, hop. C'est comme ça qu'on lit? Ouais, c'est ça, ouais. Cool. Maintenant, dégage! Ouais, ça va, j'ai moins de scrupules alors de lui avoir déchiré son acte de propriété. Ouais, j'ai vraiment moins de scrupules. J'avais des scrupules au début, mais pour aller. Fuck. Hein. Merde, je me trompe de bouton à chaque fois. Ah, tu me l'as déjà dit. Il observe les escargots. Et on va filer la gelée. Oh oui, je touche au but. Au fait, cette espèce de lueur verte n'est pas couverte par ta mutuelle. C'est bizarre, c'est comme si la vie fleurissait autour de toi. Bref, j'ai besoin d'un appareil que ta cervelle de petit pois ne peut pas comprendre. C'est un tube en métal qui émet un rayon rouge, ça s'appelle un pointeur laser. Il y en a un dans les bois de la Bacheton. J'ai envoyé les CRS en éclaireur, j'espère que ces idiots arriveront à me le ramener. Ouais, je vous dis la même chose. Alors, la forêt de la Bacheton. Il y avait un endroit qu'on n'avait pas visité dans la forêt de la Bacheton. Ah non, ils sont là. Et bonjour, petit navet. Bunker bien germé. Je utilisais muscle pour ouvrir, mais pas réussi. Je utilisais muscle. Ok. Peut-être Tats a outil au cimetière Krenios. Dans Svidania, petit navet. Ok, il nous faut un truc au cimetière abandonné. Alors, on va aller voir la vieille patate. La vieille patate qui gardait le cimetière. Qu'est-ce que tu veux? Ah, les CRS m'ont appelé, ils m'ont dit « Toi aider Navet Petit ». J'imagine que c'est toi. M'appelle? Mais pourquoi? J'en ai besoin pour payer mes impôts. Très bien, si tu veux m'appelle, il va falloir m'aider.
Il y a des Richards enterrés dans ce cimetière. Tu vas m'aider à les trouver. Et tu auras ma pelle en échange. Oh putain. On va exhumer des cadavres. J'ai jamais dit que je gagnais ma vie honnêtement, hein. Si t'es partant, on y va. Allez, let's go. Ah, là, il me dit la même chose. Putain, on va exhumer des cadavres pour se faire de la thune. J'avais oublié à quel point le brouillard était épais ici, on va galérer. Bah écoute, t'as qu'à nous guider dans ce dédale, tu veux ma pelle, non? Et si tu allais parler à cette citrouille? Va vers les arbres pourris pour éviter les soucis. Les ennuis, c'est quoi la meilleure rime? Écoute, c'est une énigme, d'accord? Ah, c'est un labyrinthe. En fait, là, je vais revenir au début. C'est ça. Ok, il faut aller vers les arbres pourris. Vous saviez que vous pouviez piller les tombes avec l'épée d'épandage? Eh, mais pourquoi est-ce que je vous dis ça, moi? Oh non. Oh non. Oh non. J'ai trouvé un chapeau de forme. Bah, c'est nickel. Un fantôme triste. Irriter les tonnes, j'avoue. Il va résoudre des énigmes. Pourquoi tu me regardes comme ça, Pomalo? En cas de doute, suffit de creuser. Tu n'imagines pas que ces crétins emmènent avec eux dans leur tombe. Pas besoin de pelle pour ça. Prends ton épée et creuse. Ok. Ok, la petite citrouille. Tu ferais mouche là où le soleil se couche. Il n'a qu'à inventer ta propre énigme, au lieu de râler. Ok, là où le soleil se couche. À l'ouest. C'est étrange. Depuis tout à l'heure, on a des citrouilles qui nous suivent partout. Et là, personne? Ah. Libérer tous les fantômes, putain. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, tiens, tiens. Papa, maman, je sais pas pourquoi je vous écris. Vous êtes mort, je voulais simplement vous remercier de m'avoir légué la ferme. Ce sera un endroit parfait pour ma famille. Vous auriez quand même pu rembourser le prêt avant de mourir, non? Les impôts fonciers sont dingues ici. Et vous avez hypothéqué la ferme? Bon, au moins, vous n'avez plus le loyer à payer. PS, voilà la photo de vos petits-enfants. Je vais déchirer ça, mais je suis vraiment un bâtard. Et du coup, c'est Matt et Liz. C'est la deuxième fois qu'on entend parler de Matt. C'était des humains, du coup. Pour rejoindre la bonne zone, va là où c'est jaune. Vas-y, c'est vraiment chaud de faire des rimes. Hein. Ok, les fleurs. Salut Kiragir. Trop contente de voir le jeu, j'y ai joué, je l'adore. En vrai, je le découvre aujourd'hui, il est trop cool. Mais c'est quoi ces trucs? Je ne connais personne qui ait des os ici. Rapport de recherche numéro 5. On trouve des traces de humains ici. Leur technologie semblait bien plus avancée que la nôtre. Merde.
Si tu veux que je reste quats, tu n'as qu'à aller à droite. Elle est pas trop bien, mon énigme ? Incroyable. Je pense qu'il n'y a qu'une citrouille qui dit la vérité. Les autres semblent mentir sur la direction et sur quelle citrouille dit la vérité. Ok. La vache, cette énigme me donne mal à la tête. Déjà, on va ouvrir les tombes. Alors, il n'y a que des menteurs sauf une. Tu devrais aller à l'ouest. Ah, la citrouille à ma droite ment. Tu devrais aller au nord. Ah, la citrouille à ma droite ment. Tu devrais aller à l'est. Ah, la citrouille juste en dessous dit la vérité. Tu devrais aller au sud. Ah, la citrouille juste au-dessus dit la vérité. Tu devrais aller au sud. Ah, la citrouille juste en dessous dit la vérité. Il n'y a qu'une citrouille qui dit la vérité. Les autres semblent mentir sur la direction et sur quelle citrouille dit la vérité. La citrouille au-dessus ment. À droite, elle ment. Et en dessous, elle dit la vérité. Si toi tu dis qu'à droite ça ment, toi tu peux pas dire qu'en bas ça dit la vérité. Il y a une incohérence. Et toi tu dis qu'en bas ça dit la vérité. Et toi au-dessus tu dis que ça dit la vérité. Donc toi t'es un menteur. Donc c'est peut-être elle. Ah non, ça peut pas être elle. Ça peut pas être elle. Au-dessus dit la vérité. Au-dessus elle ment. Sud. Au-dessus, elle dit la vérité. Ah non, elle dit pas la vérité parce que elle dit qu'en dessous, elle dit la vérité. À l'est. Au sud. Je crois savoir, on verra. Courage, Mathieu. Thank you.
Tu devrais aller au sud, la citrouille est juste en dessous, dis la vérité. Pourquoi tu peux pas dire la vérité? Parce que sinon tu dirais qu'une autre ment. Ça peut pas être toi. Ça peut être toi, hein. Mais à l'ouest, ça a pas de sens. Je pense que c'est toi, hein. Je pense que c'est toi, aller au sud. Vas-y, on va tester le sud. Non ! C'était quoi déjà? C'est quoi l'énigme? L'ouest? Non, je crois que c'est après. Si. Jaune. Non! Non! Bah, mon deuxième choix, c'était l'ouest. Mais non, mais... Vous l'avez, vous, dans le chat? Pas bon à ce jeu, enfin à ce genre d'énigme. Normalement oui. Allez, dites-moi la vérité. Backseat autorisé. Comme ça j'essaie de comprendre où j'ai fauté. Celui du milieu, lui là? Tu devrais aller au nord, la citrouille à ma droite ment. Tu devrais aller à l'ouest, au-dessus ça ment. À droite ça ment. Ok. Elle corrobore celle de droite que tu as identifiée comme étant le menteur. Ok. Ah oui, je vois. Ah oui. Oui, parce que toi t'es un menteur. Donc effectivement... Ok. Il y a une tombe de mec riche. Putain la vache. Je voulais un nouveau chapeau, moi! Tu mérites pas ce chapeau. Ouais, c'est vrai, après avoir échoué cette énigme, je mérite ma couronne, par contre. Ah oui! Voilà ce que je cherchais, on l'a trouvé, enfin! On a trouvé la poule aux œufs d'or! Maintenant, j'ai une belle pelle toute neuve et brillante. Je n'ai plus besoin de cette vieillerie. Prends-la et donne-moi ta vieille épée d'épandage, tu n'en auras plus besoin. Ok, j'ai trouvé une pelle, une arme puissante. On peut s'en servir pour frapper ou ouvrir les bunkers. Excellent. Bah alors gamin, qu'est-ce que tu fiches encore ici? Je te rappelle quelqu'un? Impossible, je suis la seule pomme de terre qui reste. Hein? Pat? Mon papa? Je pensais qu'il était pourri. Dans une boîte à glace? Il est encore frais? Je ne sais pas si je dois te croire. Peux-tu lui porter ça pour moi? Une vieille lettre. On va renouer une famille disparue. Une famille qui s'est perdue. Je te préviens, si tu me prends pour une poire...
Ok, et du coup, on est passé d'une épée à une pelle. Je sais pas ce qu'est le mieux, hein. Ah, pâte et tate. Ah, putain, patate. Ah, la vache. Ah, la vache. Ah, la vache. Pâte et tate. Patate. Non. Je l'avais pas vu. Non, non, je l'avais pas vu. J'ai lu pour vous. Mais sans... Oh, putain, patate. Bernie Noël, l'appel est très bien. C'est vrai. Très bon film, Bernie Noël. Je l'ai pas vu depuis des années, mais très très bon film. Tiens, salut toi, t'étais pas là? C'est Carotte Disque Cupule et Ami. Je s'appelle Carotte. Oui, tu tapes. Tu s'appelles Carotte. Il était où la patate? Il était là! Putain! T'as trouvé Tate, mon fils? Tu sais où il est? C'est extraordinaire! Il m'a écrit une lettre! Laisse-moi la lire! Saint Champy, c'est vraiment lui! Peux-tu lui donner ça de ma part? Mais arrêtez de faire du FedEx, putain! Merci, mon petit! Reviens quand tu auras donné cette lettre! Je te récompenserai! Il va falloir que je fasse du turbo FedEx. Et bah en avant. Allons réunir une famille, c'est pour la bonne cause. Tu peux la lire, la lettre? Non. Tu vas probablement la déchirer, mais c'est sûr, hein? C'est sûr. West, jaune. Ah, je me suis trompé encore. Quoi, il m'a écrit une lettre aussi, donne la voix. C'est vraiment lui, je croyais qu'il avait moisi. Merci gamin, t'es un bon petit gars, tiens. Ouais, j'ai trouvé un oiseau que tu peux mettre sur ta tête. Non. Oui, j'ai un oiseau sur ma tête. Je vais finir de piller cet endroit. Après ça, j'irai voir Pat, mon papa. Merci de m'avoir parlé de cette boîte à glace. Du coup, c'est marrant parce que le gamin, il a vieilli plus vite que le daron. Le daron, il est en pleine forme. Non. Le gamin, il est foutu, quoi. Si j'ai bien suivi, Tate, t'as chouré ton épée. Oui, mais il m'a expliqué que ça servait plus à rien que j'ai une épée, parce que maintenant, j'ai une super pelle, tu vois. Qui est plus puissante que mon épée. Après, je suis pas convaincu non plus, Erika. Je préfère avoir une épée qu'une pelle, mais bon... Merci d'avoir donné ma lettre, mon petit. J'espère que Tad viendra voir son vieux père un de ces jours. Tiens, voilà pour toi. Un chapeau de fermier, putain. C'est quoi un fermier? Non, je fais ma couronne, putain. Ok, on va pouvoir retourner à la forêt de la baston. Pour ouvrir la trappe, grâce à notre pelle. Thank you.
C'était gratuit ça, petit navet. Qu'est-ce que les fermiers de ce monde cultivent ? Bah... Ils plantent des trucs, hein ? Ils plantent des trucs. Et qu'est-ce qu'ils mangent ? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'ils bouffent eux-mêmes, ouais. Allez ! Bunker bétonné. C'est là où les humains, ils ont mal terminé ? Alors, qu'est-ce que vous devez faire en cas de radiation, en cas de menace nucléaire? Informez-vous, préparez-vous, tous aux abris, restez à l'intérieur, restez connectés. On s'en fout, putain. Mon Dieu. C'est quoi, c'est des boîtes de conserve maudites? Ah! Y'a des légumes... Y'a des légumes zinzin dedans. Non, des légumes zinzin. La dernière part, ça me soigne. Les gens étaient dingues de ces trucs-là. Ok, j'ai une part de pizza. Bon, la meuf, elle est partie au nord. Allons voir ici. Page de journal. À force d'être enfermé ici, je suis devenu super pâle. J'ai hâte de revoir le soleil. Elle est devenue streameuse ou quoi? Teinture pour fans. Parfait pour teindre les feuilles et les fans. Les coiffeurs se l'arrachent. Ok, faudra que je retourne voir la grenouille. Là... La grenouille ? C'est sorti d'où ça ? La carotte ! Ah, je brûle ! Ils ont fermé la porte. Les salauds ! Alors, bah ouais, c'est bien ce qu'on se disait, hein. Le monde de libération. Les bombes pleuvent. Nous allons arrêter ce virus. La déclaration des revenus reportée. La mobilisation générale commence. Hop là, pas de preuves. On déchire l'histoire. Il inverse mes commandes. Page de journal. Je m'ennuie à mourir ici. On a fait le plein de provisions, mais on n'a pas pensé au reste. Alors on regarde les mêmes films en boucle. Ah non, c'est un truc de feu. À chaque fois je me fais avoir. Je me suis utilisé moi-même pour ouvrir la porte. Putain la vache. Alors, cher journal, c'est encore moi, Lise. On est le jour 1105, je crois. Je pensais qu'on serait rentré depuis longtemps. J'en peux plus. Tu es le seul à qui je peux parler ici. Tu comprends? Matt me manque trop. J'espère que quand tout rentrera dans l'ordre, il pourra rentrer à la maison. À demain, journal. C'est le jeu 60 seconds. Là, on est passé sur 60 seconds. Allez, on déchire. Oh, quel enfer. Non! Doudoude! Ça protège de tout, même des flammes! Incroyable! Faut que je l'équipe? Ok, cool, maintenant je peux brûler en paix. Et il y avait quelqu'un dans ce placard, non?
Tu veux une part pizza, mec? Ah non, mais c'est une pizza qui me régène! Incroyable! Aïe, putain! Non, 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 non! Je vais pas mourir pour la première fois dans le jeu! Ça inverse les commandes, c'est trop relou. Ok. Merde. Pourquoi tu t'approches des récipients quand ils tremblent? Pour les tuer! Parce que mon petit Turnip Boy, c'est pas Zouzou! Bien évidemment! Pourquoi tu... Ah merde, pardon! Pourquoi quand tu t'approches des récipients, ils tremblent? Bah parce qu'ils veulent sortir! Ils sont à l'intérieur, les petits légumes irradiés. Page de journal. Papa est sorti du bunker la semaine dernière pour inspecter la surface. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il n'est plus le même depuis. Il a vu sûrement des légumes irradiés. Traumatisé, tu vois. Non, je veux pas tuer Lise! Mais non! Ah! Waouh! Faudrait que j'ai accès à ça. Voilà, comme ça. Je vais mourir. Ouais, je vais gravement mourir! Les carottes sont cuites! Non! Putain, mais je l'ai irradié, quoi. Je suis vraiment le méchant dans cette histoire. Comment je prends cher? Elle brûle, putain! Elle est trop forte!
crois qu'il faut que je pose des TP, non? Je sais pas comment je me défends contre son arme de corps à corps en fait. Peut-être avec ma pelle, tu vois. Le cuit. Ouais, le cuit. Mais... on l'a tué? Genre, ça se trouve, elle vivait en paix et tout, mais on l'a irradiée? Ou elle était déjà irradiée et on l'a rencontrée quand elle était irradiée? Un pointeur laser, ça fait apparaître un point rouge. C'est dingue. Page de journal. Moustache me manque. C'était le meilleur chat du monde. Je ne supporte plus de voir ses vieux jouets. Il adorait le pointeur laser, le petit chat. Mais c'est deep en fait. C'est deep comme jeu. La cinématique montre que le navet l'a irradié. Ouais, ouais, je suis d'accord. Enfin... Je voulais qu'il y ait une autre fin possible, tu vois. Je voulais pas y croire que ce soit nous qui l'avait irradié, tu vois. On a récupéré quoi, d'ailleurs? On a récupéré le pointeur laser... La teinture... Pointeur laser, je me souviens plus qui nous aurait demandé un pointeur laser. En tout cas, pour la teinture, c'est Joe la carotte. Après, regarde, il y a des chats. Il n'y a pas des chats. Il n'y a pas un chat qui veut un pointeur laser? Maxi miaou, mini miaou. Non, les chats ils s'en foutent. Par contre lui, c'est sûr. Ah, le vilain, t'as une teinture? Merci mon brave, je vais te remercier. Le grand Edgar va s'occuper de ta monstrueuse tignasse. Ok, ciseaux, vaut mieux tout couper. Ah non! Non! Ah non! Non! Rendez-moi ma couronne, putain! Un pointeur laser? Non, ça me dit rien. Bon, on va aller voir lui, là. Ah, le pointeur laser! Ah, mais c'était le... Pardon, c'était l'objet de quête, en fait. La dernière pièce de mon plan machiavélique. Tu pensais vraiment que j'allais te rendre ta serre? Tu es vraiment aussi naïf que ton père. Est-ce que tu sais seulement ce qu'il y a sous cette serre? Pathétique! L'héritage des Navetino offert à cette pomme à l'eau. Hors de ma vue! Je suis sûr que même le vieux Zest ne pourra rien faire pour t'aider. Mon Dieu.
Chapeau DLC, j'ai poireauté pendant des mois pour le DLC, tout ça pour avoir un chapeau ridicule. Valve, ouvrez votre esprit, ouvrez vos yeux. Des petites oreilles de chat. Un couteau. Effrayant pour faire croire à tout le monde que vous avez été taillé en julienne. Une dinde, ça s'arrête jamais. Festif avec des petites oreilles pointues. Pour faire battre le cœur des navets. Tu savais que les joyeux habitants de cette ville pondent des œufs? Les feuilles d'impôt font d'excellents couvre-chefs. Bon anniversaire à moi. Ça s'arrête jamais. Petite référence à Valve. Allez, on peut lui mettre des oreilles de chat ou quoi? Il me fait bien rire quand même. Et lui? Et le petit chat? Le petit chat, il rend bien l'écran ou pas? Ça va un peu mieux faire. Sinon, il reste le roi, hein. Taxes. Le roi, hein, le roi, je m'en... Ouais, le roi, il est parfait. Du coup. Trop tard, petit navet. Tu ne peux plus m'atteindre. Même ta puissante belle ne pourra pas briser ses vitres. Et puisque tu as volé son arrosoir, le vieux Zest ne voudra jamais t'aider. Ah, mais c'est lui, le vieux Zest. Salut, la jeunesse. Eh bien, il est temps de dire la vérité. Don Navetino, enfin ton père quoi, le maire Oignon et moi, on se connaît depuis longtemps. Nous faisions partie de la même organisation, je parle de la mafia. Ton père c'était le boss, j'étais son homme de bain, le maire Oignon était son conseiller. C'était une société chaotique, il n'y avait plus aucune loi, aucun ordre. C'était le moment parfait pour prendre le pouvoir, mais nous nous sommes disputés. Le pouvoir est monté à la tête du maire Oignon, nous pensions que ça lui passerait, nous ne savions pas qu'il irait aussi loin. Il a pris le pouvoir et il nous a tourné le dos. Il nous a traînés dans la boue. Il voulait ce qu'on cachait dans nos caves. Des armes, de l'argent. On avait tout. Je pensais pas qu'il irait jusqu'à là. La mort de ton père était déjà suspecte. Tu pensais qu'il avait fait tout ça juste pour ta sœur. Mais non, c'est pour ce qu'il y a en dessous, mon petit. Tu dois vaincre le ver oignon. Il ne te reste plus beaucoup de temps. Tu peux utiliser ma cachette secrète derrière cet arbre, dépêche-toi. Mafia mystérieuse. Chibili, chibili pop. Légumes, sachons écrire. Nous sommes très forts. L'anglais pour les nazes, spécial impôt. Marsh Wilson. Hop là, ça dégage. Chibidi boop. Chibidi bap. Merde! Merde!
Alors ça, ça doit être un bonus. Ah non. J'ai l'impression que là, c'est la suite. Donc là, ça sera un bonus. What? What? Ok, c'est grand. Alors... Être aux petits oignons. Programme du maire oignon. Déchiré. Mais à quoi sert notre organisation? Ils sont tous mous de la tige et ils ne font rien pour s'enrichir. J'ai étudié les humains, ils avaient une administration. Ça a l'air diabolique. Je vais en parler à Don... Don Navet. Liste des cibles, Brad, le gang de la Saumure, le général Pépin, ma femme, je rigole MDR. Oh la vache. Oh la vache. D'après nos recherches, les êtres qui peuplaient cette planète avant nous ont tous été anéantis par cet étrange objet. Nous devons le détruire pour nous protéger. Je vais demander à Oignon de le faire. Signé Don. Je peux taper dessus. Bon, il y a un étage qu'on n'a pas fait. Taper sur une bombe atomique, pas si c'est si c'est une merveilleuse idée. Tu exploses pas l'ogive? Ah, vous voulez que je pète l'ogive? On va y aller, hein. Alors. Mon cher fils, si tu lis ceci, c'est que je suis probablement pourri depuis longtemps. Je te lègue tout, et je crains que le maire Oignon ne cherche à se venger. Fais attention à toi et à l'héritage des Navetino. Tout est à toi maintenant. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour voir ta deuxième fan percer, ou quand tu as porté ton premier arrosoir. Tu vas me manquer, mon fils. Tu es le plus grand criminel d'entre nous tous. Je sais que tu feras la fierté du clan Navetino. PS, détruis cette lettre. Les CRS ne doivent pas la trouver. Je t'aime, fiston. Don Navetino. Je détruis la lettre. Évidemment. Bon, vous voulez que je tape sur la bombe atomique? Bon, ça me va, hein. Ça me va, ça me va. Si vous voulez voir le monde brûler. Obvious, ouais. Pas là. Je sais pas si ça va passer. Hein. Ah bah non.
Merde. Tu te crois malin, hein? Comment es-tu arrivé ici aussi vite? Occupez-vous de lui, les radis. Ils sont pas très forts, tes radis. Mais espèce de baba glanouche! Baba ganouche! Comment oses-tu? Très bien! Tu m'as assez pressé le citron. Tu dîneras dans le monde des pourris ce soir. Par le pouvoir de la corruption! Transformation! Oignon corrompu, le pouvoir l'a rendu fou! Ah! Et merde, à chaque fois je fais l'erreur. Aïe! Yep. Au revoir, brave oignon. Oh, tu crois que tu as gagné? Tu penses que tu m'as vaincu? Tu crois que j'avais pas remarqué que tu avais déchiré tous les documents de mon administration? Mais j'ai encore un tour dans mon sac. Tu n'as rien vu dans ma base souterraine? Oui, l'arme nucléaire, la bombe que ton père voulait que je désactive. Ton père était un panais paralytique. Il pensait que c'était une arme trop dangereuse, qu'il fallait, devait la détruire. Mais puisqu'il mange les pissenlits par la racine, devine quoi? Boum, bébé! Mon Dieu. Petit Navet? Petit Navet, réveille-toi. Réveille-toi, petit navet. Je pense qu'on est parti dans l'espace. Oh, mort. Oh non. Oignon divin, il est devenu le dieu des dettes. Petit navet, j'ai évolué. Je suis devenu une force immortelle bien plus puissante que les champis géants du passé. Je vais imposer le monde entier. Non, l'univers. Je vais accabler la galaxie d'impôts. Au revoir, petit navet. Tu vas pourrir. Oh, champi, c'est quoi ce truc? Petit navet, va trouver le reste des agents CRS. Je suis coincé ici. Ils sont notre seule chance. Ah, par les champis, petit navet! Mais qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons aidé le maire oignon à devenir monstrueux.
Je dois faire quelque chose. Quelque chose d'héroïque. Quelque chose de vraiment classe. Vite! Balance-moi une boum boum! Je peux la lancer sur lui. Rappelle-toi, petit navet. On peut tromper 1000 fois. Une personne. Hein? Désolé, je me souviens pas de la bonne réplique. Oh! C'est sacrifié pour l'équipe! Faut qu'on utilise les TP. Ah fuck. Ok, salut mec! Bonjour petit navet! J'ai vu quoi Brad faire! Très beaucoup courage! Je fais pareil, donne-moi boum boum! Sacrifie-toi! Il reste plus que le central hein! Salut mec! Ah, bah. Oh merde, j'ai parlé, je voulais pas parler, je voulais esquiver. Me voilà enfin sortir de la serre, j'ai vu que Brad et Vladimir ont fait. On dirait bien que notre ennemi est affaibli, mais je... Mais ne compte pas sur mon sacrifice. Tu peux t'en sortir tout seul, je te défends de me jeter un boum boum. Non. Je vais jeter une boum boum quand même. Non. Mec, sérieux, quoi? Acte de propriété, ce document certifie que la serre est la propriété de Petit Navet. Le maire Oignon, le maire et l'administration. On s'en fout. Go to bed, Turnip Boy. You've done well. But us, we've gathered here to say farewell until next time. So, you can sing along, or don't. Do you? We won't pay our taxes, we've got rent and we've got bills. There's layers to the onion and his bureaucratic thrills. All you flora, all you fauna, let us venture through the land. Take down Mayor Onion and all his thieving plans. We won't pay our taxes, we've got rent and we've got bills. There's layers to the onion and his bureaucratic thrills. All you flora, all you fauna, let us venture through the land. Merci pour le GG dans le chat.
Ce jeu était complètement taré, j'en veux plus. Mais il y a une suite, hein. Il y a une suite. Et le post-game ? Alors le post-game, j'ai peur que ça soit recommencer tout le jeu depuis le début. J'ai peur de ça. Parce qu'il y avait des zones qui étaient bloquées. Il y avait des zones qui étaient bloquées, deux en l'occurrence. Je peux pas passer le générique, du coup on se le laisse. Et salut Exidemeka, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Un peu chaudement. Le post-game, c'est que du boss rush et le faire 100%. Ok. Et repatate. Quand tu te fais défoncer par Wisebot, je sais pas pourquoi. Il y avait le chien, oui. Oui, il y avait le chien. Il y avait une autre zone vers la carotte. Oh. Il a mis un message d'amour à sa famille. En voiture, les travaux de la gare Gaillarde sont enfin finis. Regarde dans ta boîte aux lettres, tu as reçu un ticket. Des failles dimensionnelles sont apparues dans une grotte des collines aux cailloux. Tu devrais peut-être y aller. Mystérieux billet. Il y avait deux zones en l'occurrence, on va aller voir ces zones. Qu'est-ce qu'il me disait, la gare Gaillarde ? La gare Gaillarde est maintenant accessible via le chemin. Cheminant. Ouais. C'était là. Salut, petit navet. C'est bizarre, non ? L'heure n'est pas la même ici qu'ailleurs. Attends un peu. On n'est pas au même endroit que le cimetière Krenios ? J'ai juste trouvé quelques papiers par terre. C'est maigre comme indice. Regarde, ça dit... Je ne sais pas ce que ça fait là, c'est peut-être un portail entre les dimensions. LOL. C'est signé Yukon. Je me demande ce que ça veut dire. Et salut avocat dodo, bienvenue à toi. La boutique de Monty. Monty, petit navet, est-ce que t'as fait un tour sur la ligne de longévité? Alors reviens me voir quand tu seras monté à bord, voilà. Ah, c'est des défis. En voiture, départ imminent, contrôle des billets. Eh, petit navet, je crois que tu as reçu ton billet. Et c'est la gare Gaillarde, on l'appelle comme ça parce que c'est une jolie lumière ragaillardie, les légumes dépressifs. Ne traîne pas, c'est l'heure de monter à bord. Active tes petites racines, en voiture Simone. On board. Du coup, c'est un truc de bagarre. Ok, c'est un truc de bagarre. Roi des cochons! Roi des cochons! Il
J'ai pas le temps. Bacon pour tout le monde. Let's go. Bien joué. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais ce train n'est pas comme les autres, gamin. Il est temps que tu fasses appel à tes instincts de mafioso. Tu dois toujours être plus malin que ton adversaire. Et tu es loin d'être une flèche, donc on a du boulot. Ah. Voilà des accessoires exclusifs pour t'aider à survivre au bord du train. Choisis judicieusement. Bonne chance sur la ligne. Du café qui fait aller vite, vite, vite. Elle augmente la distance à laquelle vous pouvez foncer. Ou il peut encaisser des dégâts à votre place. On va aller vite, 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 vite. Wouh, 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 wouh. Coucou. Je suis une des institutrices. J'ai fondé l'école des 5 fruits et légumes avec mon épouse, Madame Patek. Ah. J'ai cherché un endroit pour amener nos petits pépins en sortie éducative. Et j'ai trouvé cette gare. Ah. Je ne voulais pas monter, mais le train m'a comme qui dirait, appelé. Bref, bon voyage. Ça devient un roguelite. Mais oui, tout. Il s'est fait un petit délire, tu vois. Il a bien raison. Ah, ah. Ah merde. Un petit cœur là pour la route. Le miaou, le miaou. Ah. Voilà, ça c'est géré ça. Au suivant, putain. Bien joué. On dit que les chats ont 9 vies, mais ce n'est pas le cas de la ligne de la longévité. Alors, éliminer les ennemis peut les faire exploser, encaisser, ou augmente la distance à laquelle vous pouvez foncer. Vas-y, on va les faire péter, putain. Je fais appel à tout mon sang-froid pour te faire un cache-pot en ciment pour t'expédier au fond de la mare du champ des carottes. Ce serait une mort trop douce pour un navetino. Mais puisque tu nous as aidé à sortir de tôle, on va dire qu'on est quitte. Allez, dégage. On tient pas à se faire remarquer. Ok, bagarre. Aïe. Ça commence mal, hein. Allez, on se refait une santé. Ok, le cerf, le cerf, le cerf. Allez, au suivant. Merci Vanitas. Merci beaucoup pour le resub des 6 mois. Merci à toi Vanitas. Bien joué. J'espère que c'était pas le papa de Bambi. Tu es parfait dans le rôle de méchant chasseur. Allez, le prochain wagon t'attend. Alors, nous avons éliminé un ennemi, on vous redonne des cœurs, c'est hyper fort. Oh, c'est hyper fort. Bon, c'est bon, c'est validé. Coucou. Je suis une myrtille. Tu es un navet? Oui. Nous sommes dans un train. Ouais. Au revoir. Au revoir.
Et gamin, mon dieu, un oignon avec un katana. Tu as remporté haut la fan les défis du train. Tu dois donc affronter le conducteur. Je suis le boss final. Oh non. Ou peut-être que je ne suis que le commencement. On va bien se marrer. Montre-moi de quoi tu as dans le noyau, petit navet. Mon dieu. Bien joué, petit navet. Tu n'as pas un physique facile, mais on sent que la mafia coule dans tes veines. Bien joué. Il est temps de choisir ton dernier cadeau. Quoi, tu pensais avoir terminé? Venir à bout de ce train une fois n'est pas suffisant pour te préparer à affronter mon frère ou à fuir les CRS. Tu es condamné à revivre la même journée. Tuer les méchants encore et encore. Ah non! Ne jamais se reposer. Toujours m'affronter. Oh. De wagon en wagon. Oh. Car tu es sur la ligne de la longévité. Le vrai défi ne fait que commencer. Toucher un ennemi pour lui mettre le feu aux fans. C'est quoi ça? Je vais prendre le bouclier anti-émeute. Parce que c'est bien d'avoir un peu de survivabilité. Salut petit navet. On dirait bien qu'on est à bord d'un train. Un train infini? Ça n'a pas de sens, bref. Est-ce que tu as croisé du gratin? Le gratin, ce sont des ennemis spéciaux, plus coriaces et avec des capacités spéciales. D'abord, il y a le gratin aggro, qui est très rapide. Ensuite, il y a le gratin renforcé, qui a une grande barre de vie. Ensuite, il y a le gratin périmé, qui t'empoisonne si tu te fais toucher. Ensuite, il y a le gratin géant, et bien qui est géant. J'espère que ces informations te seront utiles. Ben oui. Ça casse des culs, hein. Oh la vache. Allez, super cochon! Ah, j'ai plus de pouvoir par contre. Ah, un petit navet. Ça, vous avez manqué la voix de la... de la sucette. Un bisou sucré devrait te remettre sur pied, on n'a rien de temps. Oui.
Merci, madame. Voilà. Le chaton. Ah! Allez, boum! On le respecte pas, ce train. Un petit navet, un petit bisou sucré ou quoi? Allez. Est-ce qu'on a du distance? Oui, on a du distance. En l'occurrence, on élimine lui. Allez. Ok, let's go, let's go. Aïe. Je me demande où ça s'arrête le train. Je pense qu'il a une fin hein, en soi. Toi tu me dis la même chose, mec. Allez, c'est reparti pour l'oignon. Boss final, ça part, ça part. Ok, il nous dit la même chose. Et plus rapide. Wow. Merde. Thank you.
Oh non, j'allais être perfect, mec. J'ai trop les boules. J'ai une question. Tu esquives pour de vrai ou tu te casses la binette? J'ai été vaincu par un rue tabaga maladroit. Ok. Ça continue? Ça ne s'arrêtera jamais? S'il te plaît, aide-moi, je suis coincé ici depuis des jours. Oh non! Le train, il s'arrête jamais. Oh, on tourne en rond, Je veux descendre, moi. Moi aussi, j'aimerais bien aller voir le chien. Un train infini. Là, il me reparle des gratins, je m'en fous. C'est le rush boss infini. Bah, après, s'il n'y a pas de fin, je vais dégager, tu vois. Ah la vache! Bah, c'est eux qui vont me dégager en fait, hein! Putain, la vache! Ah, et je peux acheter des petits trucs. Ok, d'accord. C'est cool pour les gens qui veulent de l'endgame en mode marrant, tu vois. Et par contre, le petit chien, ça, je suis curieux. Et salut, Aube Noire. Bienvenue à toi. Je viens de débarquer, je connais pas le jeu, mais la musique est très sympa. Le jeu était très drôle, Aube Noire. Là, c'était la fin. On a déjà terminé le jeu qui était chargé d'humour. Et là, c'était un peu de l'endgame en mode on fait juste la bagarre pour faire la bagarre. Mais sinon, le jeu était très marrant. Oh, bah, c'était juste un... C'était juste un cœur. Ok. Eh ben, on se fera le prochain avec plaisir une prochaine fois. Dans le deuxième, il braque des banques. Parce que là, il payait pas ses impôts, mais dans le deuxième, il braque des banques. Ça, ça sera très drôle. Mais cool. Eh ben, écoutez, je suis vraiment pas déçu d'avoir découvert ce jeu avec vous. Journey Boy commits tax evasion.